ils pourront déjà fêter avec leurs 100$ chacun. C'est pas 100$ pour tout le monde, non, non, c'est ça, 100$ chaque participant. Voilà, 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 voilà. Bonjour les First Ladies et les présidents. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brunch Beauty. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle candidate. Et également, deux de nos candidates vont parler de leurs produits qu'elles utilisent. Nous allons également suivre une candidate qui a reçu une très bonne nouvelle cette semaine. Alors, tout d'abord, nous commençons par le rituel habituel. Si vous êtes, si vous venez de découvrir la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes là depuis, je vous dis merci, merci, merci encore. Alors, nous allons commencer sans tarder par découvrir notre nouvelle candidate. Elle nous vient de la France. Comme vous le savez déjà, chaque candidat rejoint l'aventure avec ses motivations personnelles, son challenge personnel et son défi personnel à relever. Et aujourd'hui, notre First Lady va vous donner ses motivations, ses raisons pour lesquelles elle veut participer à cette aventure. Elle nous vient de la France, elle s'appelle Ange, princesse des îles. Je vous laisse découvrir Ange et ses motivations. Alors bonsoir, donc moi c'est Ange ou princesse des îles. Donc je fais cette vidéo parce que je souhaite participer au challenge au niveau de la peau pour deux raisons. La première raison, je souhaite unifier mon teint. Si vous voyez, j'ai un peu la peau qui marque vite. Et j'aimerais en fait pouvoir unifier tout ça, enlever les zones d'ombre que je peux avoir au niveau des joues, surtout le bas du visage au niveau du menton, un peu éclaircir aussi sans abîmer ma peau avec des produits qu'il ne faut pas utiliser. Et la deuxième raison pour laquelle je veux participer à ce challenge, parce que je ne sais pas si je vous allez pouvoir voir, mais quand je, au niveau des joues, j'ai les pores dilatés, ça fait un petit peu crevasse. Donc j'aimerais pouvoir utiliser des produits de manière à lisser en fait tout ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'essaie de vous montrer. Donc voilà, jusqu'à présent, je n'ai rien utilisé d'extraordinaire. Je vous annonçais au début qu'une candidate a reçu une bonne nouvelle cette semaine, n'est-ce pas? En fait, une candidate vient de recevoir la bonne nouvelle, c'est-à-dire que ses produits sont arrivés et donc pour elle, l'aventure va prendre une autre tournure et donc vous allez commencer à assister à beaucoup de choses. Je vous laisse regarder. Donc, il est 18h30, ça fait ma 20h, donc on a encore le temps d'aller faire quelques heureuses First Ladies.
Donc je vous présente nos fleurs de lys. On a ici Béli la belge, Béni la béninoise et Fifi la française. Béni la béninoise, elle est d'autant plus importante qu'elle est candidate à Brunch Beauty, donc elle reçoit son colis. Alors voilà, continuez toujours de participer parce que ça va finir le 31 décembre et elle vous montrera ce qu'elle a reçu. Moi je ne vous dis rien. Allez, on part avec le colis avant qu'on ne ferme. Voilà le premier mardi qui est en train de partir. Il est en train de te traiter. Bientôt, on va recevoir son colis. Bonjour les dames. Voilà. Je suis contente ce matin d'être encore devant vous, d'être en train de faire cette vidéo pour vous, spécialement vous les dames. Je vous dis merci, je vous dis bonjour, je vous dis merci d'avance. Voilà, j'étais là hier, je suis contente parce que j'étais là hier quand on m'a appelé pour venir tout mon colis là. Voilà, actuellement ce matin, je me prépare pour aller chercher mon colis, toute contente, toute joyeuse. Mais je vous tiens informé dès que je serai là-bas. Merci, bisous bisous à vous. J'avais dit qu'une candidate avait reçu son colis, n'est-ce pas? En réalité, elles sont deux à avoir reçu leur colis cette semaine. Et voilà, je vous laisse aussi découvrir dans quel état, surtout dans quel état se trouve notre deuxième candidate qui a reçu son colis. Allez, on regarde tout de suite et on revient après. À ça, hein. Mais bon, on ne va pas me laisser. Bon, je vais arrêter ma caméra. Voilà, il est là, mon colis. Il est là, mon colis, là. On va aller le déballer tout à l'heure. Après l'excitation de nos deux candidates, Blandine et Énergie, qui sont toutes contentes d'avoir reçu leur colis, Blandine du Bénin et Énergie de Londres, qui ont reçu leur colis, maintenant, nous allons découvrir les produits qu'utilise notre candidate Ange, princesse des îles, qui nous vient de la France. Je rappelle que Ange a ses motivations personnelles, comme vous avez écouté dans la première partie de son intervention. Ange a ses problèmes de peau à serrer, à resserrer. Elle veut également éliminer les démarcations qui se sont formées sur son visage, au niveau des tempes. Et elle veut également retrouver de l'éclat. Oui, tout simplement. Donc voilà, nous allons déjà suivre les produits que Ange utilise avant de commencer cette aventure. Je vais vous montrer les produits que j'utilise. Comme j'ai dit, j'utilise alors du beurre de karité pur sur le visage matin et soir. Donc ça me sert un petit peu de crème de jour. Comme savon, j'utilise un savon fait pas industriellement, mais fait plutôt maison, savon à la carotte, pour un petit peu effacer les taches brunes. Et enfin, j'utilise ce produit de Dior. C'est un masque pour resserrer les pores. Et j'utilise ça une à deux fois par semaine. Donc, c'est ça. Donc, en gros, c'est ce que je fais pour mon teint, pour essayer d'unifier mon teint et lisser mon grain de peau. Et occasionnellement, j'ai ça aussi, j'utilise, mais ça, j'utilise plus quand je veux resserrer mes peaux, quand je sors, ou voilà. J'utilise l'Hydra Life de Close Up aussi de Dior. Ça. Voilà, en gros, voilà les produits que j'utilise. Mon teint s'est amélioré, c'est vrai. Je n'ai jamais fait d'éclaircissement. Je n'ai jamais utilisé de produits, je pense, agressifs. C'est tout ce que j'ai toujours utilisé et que j'utilise maintenant. Encore, donc
J'espère pouvoir faire partie de l'aventure et puis je vous fais de gros bisous et puis à bientôt. Au revoir. Vous venez de découvrir ainsi les produits que Ange utilise avant de commencer Brunch Beauty. Maintenant, nous allons également découvrir les produits que Énergie de Londres utilise avant de continuer son aventure, avant de commencer son aventure. Parce que voilà, elle va ouvrir son colis. Mais avant d'ouvrir le colis, nous aimerons d'abord vous montrer ce qu'elle utilise. Allez, on regarde. Avant de déballer mon colis qui est arrivé des États-Unis, j'aimerais vous présenter les produits que j'utilise en ce moment. Donc, je te dis cette crème Chanel. Voilà ce que j'utilise. C'est pas, je peux ouvrir avec moi. Voilà. Je te dis. Donc, voilà. J'avoue que c'est cher, franchement, mais pas, je te jure, ça sert à rien parce que l'état de mon visage. Je ne vais pas introduire mon doigt là-dedans parce que j'ai les mains sales. Donc j'utilise cette crème Chanel. Je l'applique comme crème du visage et crème du jour. Je l'applique sur mon visage comme crème du jour. Et j'applique ça comme crème de nuit. J'applique ça comme crème de nuit. Et j'avoue que ces produits sont excessivement chers et le résultat, il n'est pas là du tout. Et pour le corps, c'est toujours la glycérine. Comme j'avais dit dans ma première vidéo, j'utilise ça au corps. Et comme la glycérine, elle est assez collante, je suis obligée de faire un mélange avec cette... je ne sais pas si vous pouvez voir là. Ce lait corporel de Yves Saint Laurent. J'utilise encore parfois j'utilise pas j'utilise, j'aime ça, c'est juste c'est le shower gel de douche. J'utilise ça juste pour l'odeur parce que ça sent très bon. Non, je vois pas grand chose hein. J'ai aussi utilisé ça, Victoria's Secret, ça sent très bon. J'utilise ça comme crème. Elle est encore moitié pleine. Il va falloir que je fasse cadeau à ma fille comme ça. Elle va arrêter de piquer dans mes produits. Donc, comme je vous disais, voilà tout ce que j'utilise comme crème et gel de douche. Le résultat, il n'est pas là. Je vais vous faire voir. Ma main, vous voyez là, elle est sèche. Et vous pouvez regarder ma peau. Pour quelqu'un qui utilise tout ça, regarde. On dirait la cola. La cola du village. Mais la peau du crocodile est plus fraîche que ma peau. Pourtant, j'utilise les produits de marque, on va dire. Mais bon, ça sert à quoi? Vraiment, madame, j'espère que tes produits là vont me changer. Vont rendre ma peau plus belle. Regardez ma peau. Est-ce que vous pouvez voir? Regardez comment elle est sèche. Elle est sèche. Pourtant, c'est des produits qui coûtent excessivement cher. Les produits de marque, hein, ça ne sert à rien franchement de gaspiller de l'argent pour avoir un résultat comme le mien là. Vous voyez? J'espère que vous pouvez bien voir là. Regardez. Donc, moi, il faut que je fasse quelque chose. C'est vrai que, voilà, on prend de l'âge, hein, mais on n'a pas envie de prendre de l'âge en étant moche. On peut bien prendre de l'âge en étant fraîche. Donc, voilà pourquoi toutes les fesses, les nivelles se font belles. Bon, allons ensemble déballer mon colis. Okay, tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces fesses, ladies, c'est la classe totale. C'est vraiment la classe. On ne les appelle pas les fesses, ladies, pour rien. Vous avez remarqué que ce sont des dames. Ce sont des femmes très responsables. Des femmes qui ont accepté de partager avec vous leurs secrets de beauté. Alors, ce que nous attendons de vous, c'est simplement les soutenir. C'est tout. Soutenez nos candidates. Soutenez vos candidates. Votez pour elles. Les liens sont en bas de la barre de description. Donc, cliquez juste dessus et votez pour une candidate. Pour la candidate qui va recevoir le lot final. Et vous avez remarqué, comme je disais tout à l'heure, ce sont des dames très respectables et qui ne sont pas là pour jouer. Elles sont là pour
passer l'information, pour partager l'information, ce qui est très rare dans notre domaine de cosmétique africaine. Très très rare, les gens ne partagent pas, les gens ne disent pas ce qu'ils utilisent, les gens ne donnent pas leur avis sur les produits qu'ils utilisent, ce qui fait que les mauvais produits continuent à s'épandre sur le marché, les gens continuent à utiliser des produits et ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où donner de la tête. Alors vous avez comme ça cette occasion où des personnes assez responsables, des personnes assez engagées qui sont là et qui ont accepté de laisser tout, comment dire, leur vie, leur rang social même, pour venir partager avec vous leur secret de beauté. Je pense que c'est vraiment, ça fait, c'est une grande preuve de courage et surtout une grande preuve de détermination en matière de notre quête pour la beauté africaine, pour la beauté de la femme. Et vous êtes invité franchement à les soutenir. Soutenez tout simplement en votant. C'est juste leur montrer votre soutien. Ce n'est pas parce que vous pensez qu'elles vont gagner franchement quelque chose, mais c'est déjà pour vous aussi comment dire, une manière de dire ok, nous avons vu ce que vous faites, nous encourageons, nous apprécions ce que vous faites, ne serait-ce que ça. Donc c'est un message fort que nous vous demandons de leur envoyer en votant simplement pour elles. Donc nous attendons massivement votre vote, nous attendons massivement que vous participiez. Commentez, soutenez-les même dans les commentaires. Vous pouvez également leur poser des questions parce que les First Lady, elles regardent également ces émissions. Elles vont lire vos questions et puis dans les prochaines émissions, elles peuvent répondre à vos questions. Aussi, vous pouvez également faire des vidéos de soutien pour soutenir vos candidates. Donc, vraiment, c'est ouvert. Vous êtes toutes les bienvenues, vous êtes tous les bienvenus également. Les présidents, comme les First Ladies. Donc, cette émission, elle est pour vous. Allez, on va passer à la suite. Dans la deuxième partie de cette émission, parce que nous sommes dans la deuxième partie de l'émission, je vais comme ça partager avec vous quelques interventions et également quelques questions que j'ai reçues. Et voilà, je vais essayer d'y répondre. La première personne qui dit salam alaikum, alaikum salam, moi c'est Nina, salut, j'ai deux questions. Moi j'habite en Allemagne, c'est forcément que l'homme doit utiliser le lait de visage ou on peut utiliser le lait de corps aussi au village, au visage, pardon. Ok, en fait tout dépend de votre type de peau et tout dépend également du produit que vous utilisez. Je m'explique un peu. Certains produits, certains laits particulièrement, sont pour des peaux spécifiques. Par exemple, c'est précisé peau grasse, c'est précisé peau sèche. Et si vous avez une peau qui ne correspond pas à ce type de peau au niveau du visage, n'utilisez pas ce lait au visage. Certains laits également sont précisés tout type de peau. Ça veut dire que, voilà, peu importe le type de peau que vous avez, vous pouvez l'utiliser. Et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser au visage. Et dans ce cas, c'est uniquement si votre visage n'est pas très sensible. Parce que certaines personnes, malgré qu'ils ont malgré que le lait soit de tout type de peau, certaines personnes ont un visage assez sensible qui ne supporte pas grand chose. Et dans ce cas, vous devez prendre des produits spécifiques pour votre visage. Donc, tout dépend donc forcément de votre type de peau, surtout, et de la sensibilité également de votre peau. Ok? J'espère avoir répondu à la question. La deuxième intervention nous dit ceci. En fait, c'est la personne... m'a demandé, j'ai demandé à la personne ce que la personne utilisait. Elle m'a parlé de Belle Nubian, je crois. Et moi, je lui ai demandé si elle n'avait pas suivi la vidéo sur Belle Nubian que j'avais fait, parce que j'avais fait une vidéo sur Belle Nubian pour donner mon avis dessus. Et la personne me dit, pour être honnête, j'ai vu sur YouTube, mais j'ai pas écouté, car ma vendeuse Belle Nubian, elle m'a dit de ne pas écouter votre vidéo, que c'est faux. Ça m'a fait rire, oui, normal, ça m'a fait rire. Bon, on a quand même discuté avec la dame. Ma chère, et ça c'est valable pour tout le monde. C'est votre santé avant tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'une vendeuse vous dise exactement? Que oui, mon produit n'est pas bon,
produit, on a raison de te dire que ce produit n'est pas bon ou bien que la personne te dit la vérité. Non. Elle va toujours vous dire quelque chose pour défendre son produit, ce qui est tout à fait normal. Moi, je ne peux pas, en vouloir à la vendeuse pour ça. Elle défend son produit, c'est normal. Mais vous, défendez également votre santé, défendez-vous. Vous utilisez un produit, ça ne marche pas pour vous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que ça ne marche pas. Encore que je dis encore ceci, un produit qui ne marche pas ne signifie pas forcément qu'il n'est pas bon. La vidéo que j'avais faite sur Belle Nubiante, pour ceux qui se rappellent, j'avais dit pourquoi je pensais que ce produit n'était pas fiable. Ce n'était pas parce que c'est un produit que je connais particulièrement, je ne le connais pas. Mais c'est les informations qui étaient autour du produit qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas correctes. Donc, à partir de ce moment-là, moi je doute de la qualité du produit. Aussi simple que ça. Et si vous avez des informations qui ne sont pas sûres, par exemple, si quelqu'un vous dit que le beurre de karité, ça fait éclaircir, vous-même, il ne faut pas être un génie pour dire « non mais il raconte n'importe quoi ». Donc, c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas utiliser un produit et ça vous fait des malaises et tout, alors que ce n'est pas censé faire cela. Et la personne vous dit non, si on vous dit que ce produit n'est pas bon, c'est faux. Et vous voyez que ça n'a pas d'effet, ça vous fait des effets indésirables. Et vous continuez à utiliser en vous disant que non, la personne me dit la vérité, c'est un vendeur. Moi, je vous ai toujours dit que les vendeurs, ce qui les intéresse, c'est leur poche. Moi-même y compris, hein, je ne vous mens pas. Je ne veux pas dire que je suis différente des autres, mais mon problème, c'est d'abord l'information. Je vous informe sur certaines choses, après vous décidez. Il n'y a personne à qui je vais vendre un produit et lui dire, écoute, 100% résultat, vous allez avoir 100% résultat. Je ne dis jamais ça. Parce que je ne peux pas dire ça, je ne peux pas savoir. Donc, c'est la même chose que tous les vendeurs devraient faire. Quand vous vendez un produit à quelqu'un, vous ne pouvez pas être sûr que ça va marcher à 100%. Il y a des gens qui expérimentent des résultats inattendus parce que leurs peaux sont comme ça. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Encore que moi, j'ai ce problème, comme je vous ai toujours expliqué, les gens, ils me posent des problèmes et moi, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Je ne sais même pas quels problèmes ils ont exactement. On me parle, mais je ne vois pas d'image, je ne vois rien. On refuse de m'envoyer les photos, mais je dois faire avec. Alors, dans ce cas-là, il faut déjà comprendre que le diagnostic est à 40% vrai. Parce que entre quelqu'un qui dit j'ai une tache et quelqu'un qui dit j'ai une plaque, c'est deux choses bien différentes. Mais quelqu'un peut-être peut avoir une plaque, il dit moi j'ai la tache. Moi je suis en train de visualiser dans ma tête la tache pendant que lui il a la plaque. Donc il y a toutes ces choses-là. Et maintenant, quand vous partez vers un vendeur qui n'a en tête que se faire de l'argent, et puis, vous utilisez un produit, ça ne marche pas pour vous. Et la personne continue à vous dire que non, c'est parce que les autres sont jaloux, les gens sont jaloux. Bon, écoutez, vous pouvez utiliser, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis ce que je pense. Et puis, je dis ce qui est là, ce qui est vrai. Si un produit est mauvais, je dis qu'il est mauvais. Après, vous êtes libre de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. C'est votre choix, c'est votre santé, c'est votre argent. Ça ne me regarde pas. D'accord? Ok. La prochaine intervention, elle nous vient d'une autre Fazedi qui m'a écrit par rapport à... enfin voilà, vous, de toutes les façons, vous allez regarder en haut là. Si je noircis, ma peau peut reprendre le teint que j'avais avant. J'ai laissé la photo aussi parce que c'est une vidéo que j'avais faite quand je suis allée en vacances aux Bahamas. Et sur cette vidéo, pratiquement, j'étais en train d'expliquer qu'il fallait se protéger contre le soleil parce que le soleil noircit, même les noirs, ça nous noircit. Donc, il fallait se protéger contre le soleil. Malheureusement, je vais dire, comment dire, oui, j'ai été vilaine quand même. Je n'ai pas respecté moi-même mes propres instructions. Je savais que je suis très paresseuse, je ne suis pas trop produite, n'est-ce pas? Vous le savez déjà, donc... voilà, je suis excusée. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que avant, quand j'expliquais cette vidéo, je venais d'arriver là-bas. Donc, j'avais encore tout mon teint et tout. Et j'ai appliqué sur la vidéo pour expliquer comment il faut faire et tout. Après ça, j'ai jeté la boîte ailleurs là-bas. Et puis bon, voilà. C'est mon mari qui utilisait beaucoup plus parce que lui, il supportait moins le soleil. Mais moi, j'étais là, je disais, ah, pour nous, on supporte le soleil, à quoi? Ah, non, non, pas du tout. Même nous, les noirs, là, c'est grave. Alors, du coup, comme je portais généralement les trucs qui m'arrivaient au niveau du genou et qui dépassaient un peu le genou là, alors, la partie du bas qui s'exposait le plus au soleil, ça a noirci correctement. Ça m'a fait les chaussettes même carrément. J'avais les chaussettes pendant presque un an. Et comme moi, je ne suis pas du genre,
Même moi, mes problèmes de peau, vous le savez déjà, ça ne m'inquiète pas. Quand j'ai un problème là, vous vous rappelez quand j'avais même le visage tout plein de boutons là, ça, il a fallu que ça traîne environ plus de 6 mois avant que je commence à traiter. Mais sinon, des trucs comme ça, je reste tranquille, je me dis ok, de toutes les façons, ce n'est que le soleil qui m'a brûlé et puis ça va passer. Alors c'est passé. Donc c'est pour répondre à la question en disant oui, vous pouvez récupérer la peau avec le temps si vous êtes brûlé par le soleil. Le problème, c'est que si vous utilisez par exemple des produits éclaircissants et que vous êtes exposé au soleil et que vous vous faites brûler par le soleil, à ce moment-là, ça peut être un peu compliqué. Mais si ce n'est que des brûlures simples et que vous utilisez des produits simples, et que, comme moi, je n'utilisais pas de produits éclaircissants, donc quand je me brûle par le soleil, je reste tranquille. Bien sûr, ça met long avant de partir parce que là, ça m'a mis pratiquement un an. Chaque fois que je regardais mes pieds, j'avais les chaussettes, ça diminuait doucement, 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 et puis c'est fini par... pas disparaître complètement, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Voilà, nous allons maintenant terminer cette émission en suivant Blandine qui s'en va au niveau de la poste récupérer son colis. On regarde Blandine et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Surtout, n'oubliez pas, commenter, liker, partager, parler-en autour de vous et surtout soutenez vos candidates, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pouvez également participer à l'émission. Tous les liens sont là, en bas de la barre de description. Allez, on se dit à la prochaine. Bye bye. Comme je vous l'avais promis, de vous montrer l'endroit où je vais réquisitionner mon colis. Voilà, je suis au Tri-Cristal du Bénin, la poste du Bénin, qui a fait corps avec l'aéroport du Bénin. Je vous le montre un peu. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, voilà. Je m'en vais comme ça. Je suis en chemin. Voilà. Je suis à 2 minutes de l'entrée principale.